Et bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous comme chaque jeudi soir. C'est parti pour 30 minutes de direct dédié à l'actualité high-tech. On est ravis de vous retrouver. Bienvenue dans 01 Live Hebdo. 30 Salut, minutes. Jérôme. Salut François de Techno et de bonne humeur. Ils sont tu passés... m'appelles François de Techno, mais ça me plaît. François de Techno, ça tirait bien. Hein, ah ouais, oui, c'est un bien. Petit côté noble comme ça. Ça me va bien, c'est ça tout me moi. Va très très bien. Ils sont passés un peu inaperçus et pourtant un nouvel iPhone et un nouvel iPad ont été dévoilés cette semaine par Apple. On en parle ce soir avec notre spécialiste de la pomme, Pierre Fontaine. Et puis Amélie Charnet sera aussi avec nous tout à l'heure dans ce 01 Live Hebdo. Elle viendra nous parler d'un salon qui prend de l'ampleur et de l'importance d'année en année. Il s'agit de Laval Virtual. Ce sera dans quelques instants. Oui. Apple encore, on y revient avec un gros sujet, la marque à la pomme victime d'une tentative d'escroquerie, tentative de rançon pour un faux piratage du service iCloud. Pierre Fontaine, encore lui, va tout nous raconter. Ce Pierre Fontaine, il est formidable, il est sur tous les bons coups hein, quand même. Hein. Delphine Sabatier nous rejoindra tout à l'heure. Delphine, vous le savez, est là pour le Zoom Actu. Elle va nous présenter une appli qui est dans l'air du temps, ça s'appelle Splash Vote. Et ça sert à... entarter les hommes politiques. Ouïe, aïe, aïe. On verra ça dans un instant. Côté labo, ce soir, gros plan sur un smartphone XXL. C'est le P10 Plus de Huawei qui vient d'arriver au labo. C'est Raphaël Grably, si je ne m'abuse, qui viendra nous en parler. Mais complètement. Et puis, on découvrira aussi Exam Reader de Sipen. C'est un stylet capable de retranscrire en audio ce que vous lisez, en fait. Pas mal. C'est étonnant, hein ? Bon, à quoi ça sert ? Bah, il va nous le dire tout à l'heure. On verra tout à l'heure, on lui posera la question enfin, piège. Enfin, petite surprise, ah oui. Restez avec nous à la fin de ce 01 Live, on vous fera découvrir le bagage du futur. On vous donne un seul indice, attachez votre ceinture. Oui, et puis surtout, franchement, pour prendre l'avion, c'est la classe, ce truc-là. Hein, à Las Vegas. À Las Vegas. La question 01 Net Orange, François. On y va, c'est une question qui est liée à la sécurisation des données sur le cloud. Faites-vous confiance justement à la sécurisation des données sur le cloud? Oui, parce qu'on va en parler tout à l'heure à propos de cette histoire concernant iCloud. Eh bien, dites-nous oui. Ou non, oui ou non, faites-vous confiance à la sécurisation des données sur le cloud. Notre question 01net Orange vous attend sur 01net.com et 01nettv.com, les amis. Comme d'habitude, c'est en direct, 01 Live Hebdo, donc vous pouvez interagir, posez vos questions sur Twitter, hashtag 01 Live. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait là ? Comment ça, 5-4-3 Rappelle-moi qui est aux commandes ce soir. Bah, écoute, non, c'est Jean David, le pauvre. Il est un petit peu excité ce soir. C'est pour ça que de temps en temps, il appuie sur les boutons. Qu'est-ce qui lui arrive ? Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça va bien se passer. Vous savez que comme on est en direct, la preuve, hein, vous avez vu, ça fait comme ça, ça clignote dans tous les sens. Ça prouve qu'on est en direct. Il est 18h03, les amis. Hashtag 01 Live sur Twitter. Vous pouvez à tout moment nous laisser vos messages, vos petites questions, réagir sur l'actualité qu'on va évoquer. Voilà, je maintenant, me connecte. Ça y est, t'es connecté ? Ouais, je suis connecté, j'ai toutes les questions. Parfait. Alors, on a une certaine Amélie qui nous demande sur Twitter, est-ce que je peux rentrer... À quelle heure je passe dans 01 Live Hebdo pour parler de la Laval Virtual ? Eh bien, tu sais quoi ? Tu passes tout de suite, Amélie. Bonsoir. C'est à toi. Amélie Charnet de la rédaction de 01net. Salut, Amélie. Salut. Amélie qui revient du paradis de la réalité virtuelle, c'est ça ? Oui, de Laval Virtual, ça existe depuis 1999, ce salon de la réalité virtuelle et augmentée en France, et c'est même une référence dans le monde. Ça nous rajeunit pas. C'est un salon qui prend l'ampleur d'année en année. Hein. Oui, oui, oui. Je disais tout à l'heure. Là, maintenant, il y a 240 exposants, et il y a surtout des grands noms qui arrivent, c'est-à-dire que l'année dernière, HTC est venu avec son Vive pour la première fois, Microsoft et Samsung étaient là pour la première fois cette année, donc ils attendent éventuellement Google pour l'année prochaine. Bah oui, ce serait bien. Alors de quoi parlait-on ? De quoi parle-t-on ? Parce que c'est en ce moment, hein, vraiment en ce moment que ça a lieu. Voilà, jusqu'à la fin du week-end en fait. D'accord. Alors j'ai envie de commencer par ce qu'il y a de plus fou. Donc je ne sais pas si on peut voir les images parce qu'il y a toujours beaucoup de Japonais tous les ans. On adore quand c'est fou fou. Voilà, comme ça. Alors le gouvernement japonais a décidé que pour les Jeux Olympiques de 2020, il fallait inventer des nouveaux jeux et céder des technos pour ça. Donc il y a des startups qui se sont créées dans ce domaine. Et notamment, là on voit en fait, il y a des jeux en équipe où on est tous munis de casques à réalité
augmentée cette fois. On a des petits capteurs dans un bracelet autour du bras et on se lance des boules de feu. Voilà, donc là on voit ce que ça rend à l'écran. Ouais. Et après il y a plusieurs versions, il y a des monstres, c'est assez sympa et en plus j'ai gagné ma partie. Mais ça va parce que t'es pas trop brûlé, visiblement. Et il y a même un championnat du monde qui va être organisé donc en novembre au Japon. Et ils vont organiser aussi des Olympiades en 2020 pendant les vrais Jeux Olympiques. Donc réalité augmentée, hein. Ça veut dire que là on voit les autres joueurs en chair et en os. Oui, ils ont créé aussi un autre jeu avec un drone qui vient percuter des gens. C'est un concept un peu plus spécial. Un drone qui vient percuter des gens. Ouais. Oui. Ah ouais, c'est sympa. Ouais. Voilà. Mais alors c'est amusant, enfin voilà, c'est bien très fait. Amusant, ouais, c'est, fluide, c'est très bien c'est fait. Cool, oui, enfin, oui. Pas de nausée. Et non, parce que là, il n'y a pas de nausée, puisque en là, fait, c'est la réalité augmentée. Augmentée donc ouais. Voilà, on n'est pas coupé du monde. Hein. Alors beaucoup plus étrange, je vais vous présenter un bébé. Donc en fait, les Japonais ont un problème de fécondité et des chercheurs de plusieurs... Ils ne procréent pas assez. Voilà, hein, pour le renouvellement des générations. Donc des chercheurs ont c'est eu l'excellente idée de créer un bébé dans lequel ils ont mis un contrôleur Vive. Oui, et pour vous donner envie d'avoir des enfants, ils vous proposent donc de mettre un casque de réalité. Je n'ai pas peur du ridicule. Non, vous voyez non, ce que non, je non, peux non, faire non, pour venir... Et puis en plus, ça elle va lui donner le biberon. Et puis ça n'a pas été filmé. Donc il n'y a pas de souci, tu vois. On n'a pas eu de la pratique quand même. Ouais, voilà, donc il y a un autre contrôleur qui représente le biberon et vous êtes obligé ensuite de lui faire faire son rôle. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses. C'est un bébé virtuel. C'est un bébé à la fois réel et virtuel. Et le plus fort, c'est qu'ils vous prennent en photo juste avant pour qu'il y ait votre image qui apparaisse sur le bébé. En bébé, en rajeuni. Bébé. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont, d'accord. Comme ça, vous pouvez vraiment vous projeter maman, dans ce que pourrait être votre enfant. Le papa et la maman, ils mixent les deux ou Non, il n'y a que la personne qui se porte le bébé. Jeu, pas voilà. Trop en demander. Donc ils espèrent qu'avec ça, les Japonais auront davantage envie de faire des enfants. C'est un entraînement. C'est un entraînement, donner le goût et le désir d'enfant. Alors, ça suscite beaucoup d'enthousiasme au Japon. J'aurais pratiqué une autre simulation pour avoir envie de faire des enfants. À Laval, les gens étaient circonspects quand même. Oui, bah ouais, tu m'étonnes. Non mais ça c'est sûr. Mais c'est juste pour le fun ou ils vont en faire quelque chose? Ah non, c'est vraiment très sérieux, oui, tout à fait. Okay. D'accord. Alors, cela dit, attendez, juste une parenthèse. Là, il a fait son rôle, ça y est. Moi, je bravo pense, Amélie. C'est peut-être pas si idiot que ça hein, pour l'apprentissage du rôle de parent, qui est un rôle très difficile, quand même, il faut le dire. Donc c'est pas mal ça. Ça apprend à utiliser les bébés. Merci, c'était donc la chronique pédopsychiatrie de Jérôme Absolument. Colombin. Merci beaucoup, professeur Colombin, c'était très sympathique. Rappelons que nous c'est vous gratuit. Retrouvons à la clinique des Trois Oies tous les dimanches. Pour alors, un peu plus fun, on pouvait aussi avoir une expérience d'apesanteur. Alors, en étant harnaché, en fait, il fallait monter sur un escabeau. Alors, ça n'est pas moi. Mais voilà. On vous met un casque de réalité virtuelle. Ensuite, il vous enlève l'escabeau sur lequel vous étiez et vous pouvez faire des petits bonds sur la Lune. Après, vous allez voir. Donc la version. Parfois, j'ai failli rentrer un peu dans l'installation parce que je faisais des trop gros bonds. Mais c'est son côté cosmonaute. Hein. C'est réservé ça plutôt aux entreprises qui font des séminaires parce que cette Orbital Views, donc la start-up qui propose ça, normalement fait ça dans des vols paraboliques avec des casques de réalité virtuelle. Mais ça coûte 6000 euros le ticket. Donc en version plus abordable sur Terre, ils proposent une expérience donc sur la Lune ou dans l'espace en apesanteur. Et alors, c'est bien? C'est sympa. Ouais, franchement, agréable. C'est sympa. Bon. Voilà. Il y a Bruno sur YouTube. Tu as l'air très à l'aise, Amélie, sur ton truc là. Franchement, c'est. Alors là, je t'avoue que je suis quand même assez impressionné. Tu nous as fait des trucs pendant ce reportage, entre donner à manger un faux bébé, là, sautiller comme ça. Et lancer des boules de feu. Hein. Et lancer des boules de feu. J'ai tout essayé. C'est très tout bien. Je suis impatient d'avoir le crossover entre les trois. Oui, ça va être sympathique. Voilà. Jeter des enfants en feu en apesanteur. Voilà, c'est ça, voilà. Ça va être bien. Et je voulais juste terminer sur une nouvelle façon de faire du tourisme. Alors, il y a déjà une borne qui existe à Bastille, à Paris. Ça s'appelle Timescope. En fait, on peut voir la ville telle qu'elle était il y a 20 ans ou même il y a plusieurs siècles sous la Révolution. Ça. Voilà, donc ils sont vraiment en train de se développer. Ils font ça aussi pour promouvoir des chantiers immobiliers. Mais dans le domaine du tourisme, je pense que ça a vraiment sa vocation. Et ils font appel à des historiens pour créer les contenus. Et c'est vraiment très sympa de voir exactement là où on se trouve. Ouais. Paris, il y a un siècle, il y a deux siècles, il y a trois siècles. Alors, je vais faire mon vieux con. Ouais. Mais les gars,
Gazzard de Cluny ont mis ça en place pour l'abbaye de Cluny il y a 15-20 ans. Quoi. Alors c'est sur un grand panneau, c'est pas encore des masques, mais c'est un grand panneau, on tourne et on voit l'abbaye de Cluny telle qu'elle était à l'époque, alors qu'on est en fait dans une espèce de, pas de désert, mais on a une abbaye en ruine, quoi. Il reste quelques pierres au sol. Et c'est assez impressionnant, effectivement. Mm. Mais c'est vrai que la techno va permettre de développer ce genre de choses dans les musées. Amélie, tu avais autre chose ou on a terminé Peut-être une dernière petite chose sur les contenus. En fait, il y a de plus en plus de contenus culturels et éducatifs qui se servent de la réalité virtuelle. Et je pense notamment à la société de production Les Poissons Volants. En fait, ils sont en train de produire des films où il y aura un artiste qui est mort, ça peut être Velázquez par exemple, ça sera la voix d'un comédien qui va parler et qui va vous faire pénétrer dans un tableau, vous présenter les personnages, vous pourrez interagir avec eux, même les toucher. Donc je trouve que c'est une excellente idée pour mieux appréhender l'art et de façon plus ludique. Super. Merci beaucoup Amélie. Laval Virtual. Si vous êtes du côté de Laval, je crois que c'est ouvert au grand public en plus, non ? À partir de ce week-end seulement. Ce week-end, d'accord. En revanche, si vous êtes du côté de Virtual, là, ça sert à rien. Ok, merci. Alors, on va enchaîner merci avec... Merci beaucoup, Amélie. Pierre Fontaine est là. Salut, Pierre. Je vais peut-être y aller, je ne sais pas. Non, Pierre, il faut que tu restes là, s'il te plaît. Reste là, parce que c'est grâce à toi que le niveau de ce rendez-vous va augmenter d'un coup. Je ne suis pas sûr. C'est ça qui me fait peur, c'est que je suis pas sûr. On s'attendait ces derniers jours à une keynote Apple de printemps avec Tim Cook qui aurait brandi de nouveaux iPads depuis leur nouveau campus Apple. Eh bien, que nenni, tout ça s'est tombé à l'eau. On a reçu un pauvre petit communiqué de presse, voire même plusieurs. On a reçu plein de petits communiqués de presse. Nous balançant des nouveautés qu'on va quand même commenter, même s'il n'y a pas de quoi se rouler par terre de plaisir. Effectivement. En fait, d'un point de vue matériel, ça se limite à assez peu de choses. Un iPhone 7 ou 7 Plus rouge, donc c'est dans les Red Project, dont une partie des fonds sont reversés à la lutte contre le sida. Donc ils ont déjà sorti des iPods, fut un temps, brandés en rouge, etc. Plutôt joli. Hein. Oui, c'est plutôt joli quand on regarde de dos, parce que de face, et là c'est beaucoup moins sympa, c'est blanc. Et moi j'aurais mis le noir quand même. Mais qu'est-ce qu'il aura Comme le disait Jalmas, en rouge et noir, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Ma peur, tout ça. Mais exactement. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est un peu... Enfin, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, parce que sur Twitter, ça a beaucoup, beaucoup bâché. Donc, le rouge est très joli. Il fait « Ah ouais, sympa !» Il ne faut pas le retourner. Quoi. Et puis voilà, en fait, il faut pas regarder l'écran. Il faut juste regarder le dos. Voilà, c'est un iPhone qui se regarde de dos. Donc, c'est la fameuse édition Red. Voilà, donc un petit peu plus cher que la version de base, qui est disponible en deux capacité 128 et 256 gigaoctets et voilà, donc il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Autrement, c'est exactement l'iPhone 7 qui est sorti en septembre dernier. Voilà, si vous voulez vous démarquer, avoir un iPhone un peu différent, voilà, pourquoi pas. Dispo en France, en France à partir de la commande, c'est à partir du 24, donc vendredi de demain. D'accord. Donc ça, c'est pour l'iPhone. Voilà. Et puis on a un iPad. Alors attention, roulement de tambour. Alors attention, un iPad, mesdames, messieurs. Un nouvel iPad. Rappelons ce qu'est un iPad. Alors c'est vrai. Effectivement, un nouvel iPad. Alors pas un nouveau format, un 9,7 pouces, donc c'est-à-dire le format. Le bon vieil iPad des familles. Voilà. Le pas très grand, mais le moyen. Qui a pour principal intérêt et nouveauté de son prix, en fait. C'est la première fois qu'on a un iPad qui est 9,7 pouces, qui est vendu à 409 euros, ce qui est vraiment effectivement beaucoup moins cher que d'habitude pour un format 32 gigas en termes de stockage. Et pour le reste, à part la puce A9, donc on l'a rencontré dans les iPhone 6S, à part ça, c'est exactement la configuration de l'iPad Air 2, sachant que lui est légèrement plus épais et un petit peu plus lourd. Alors pourquoi, on ne le sait pas encore, parce qu'on n'a pas encore eu en test pour voir ce que ça donnait. Peut-être que c'est parce qu'il y a besoin d'une batterie un peu plus grosse, vu que la puce est plus performante que la 8 qui était avant. Peut-être que le châssis a été plus lourd parce qu'il est plus économique, enfin on ne sait pas trop, parce que c'est vrai que là on sent que Apple essaie véritablement de sortir un iPad à l'excellent rapport qualité-prix. Là en fait c'est ce qu'Apple essaye de faire depuis pas mal de temps sur ses gammes de produits. On l'a vu avec les iPhones où ils recyclent l'ancien haut de gamme en le faisant descendre dans la gamme jusqu'à ce qu'il soit en bas de gamme, enfin en entrée de gamme on va dire plutôt. On l'a vu aussi avec les Watch, où on a des Watch série 1 et série 2, où donc on arrive à finalement des prix qui sont plus bas que certains produits de la concurrence, mais avec des produits qui sont un peu plus datés et un peu moins performants. Donc là, ils font sur les iPads ce qu'ils ont fait sur d'autres gammes de produits. Finalement, le fait que cette annonce soit quasiment passée... enfin on n'en a pas parlé, quasiment pas, c'est pas un peu la marque, les iPads et les tablettes en général, ça n'intéresse plus grand monde.
Alors ça peut être perçu comme ça. Effectivement, on sait que les ventes de tablettes en général ont tendance à beaucoup s'éroder. Ouais. Parce que effectivement, c'est généralement un deuxième, voire un troisième écran, et que ce qu'on peut faire avec est plutôt limité. Quand on a besoin de pouvoir vraiment travailler, on est obligé de se tourner plutôt vers un PC classique, quoi, on va dire. Bon. Ou enfin, quelque chose qui ressemble plus. Donc voilà, peut-être que c'est cette marque. Ou alors, Apple a besoin d'encore un peu de temps pour préparer, parce qu'il y avait des rumeurs qui parlaient d'un nouvel iPad avec un format un peu plus grand en termes d'écran, 10,4 pouces à peu près. Donc peut-être qu'ils sont en train de préparer ça, qu'ils n'étaient pas complètement prêts, et qu'ils vont le sortir peut-être pendant la WWDC en juin. Bon, eh ben on verra ça. Voilà, deux petites nouveautés, fouetter un chat. En revanche, effectivement, en termes de prix, ça peut donner envie. Ça peut donner envie aux gens, à ceux qui voulaient sauter le pas d'y aller. Alors, on est un petit peu en retard. Il faut quand même qu'on parle de cette affaire qui concerne Apple à nouveau. Affaire assez étonnante. C'est des espèces de méchants hackers qui ont cru qu'ils pouvaient faire chanter le grand Apple. Alors, je ne sais pas si c'est des hackers au sens, entre guillemets, noble par rapport au niveau de compétence, ou si c'est juste des scripts qui disent qu'ils sont un petit peu amusés. Mm-hmm. En tout cas, ils s'appellent les Turkish Crime Family. Ils se font appeler comme ça. Et effectivement, alors ils sont arrivés avec au départ 300 millions de comptes iCloud compromis auxquels ils pourraient avoir accès avec l'identifiant, les mots de passe. Après le renfort d'autres hackers ou d'autres personnes, ils sont à un peu plus de quasiment 630 millions de comptes maintenant. Mmh. Ça, c'est ce qu'ils annoncent. C'est ce qu'ils annoncent, et ils demandent en retour. Il faut chanter Apple, quoi. Ils demandent à Apple de dire soit. Donnez-moi un iPhone. C'est quasiment ça. C'est donnez-nous des sous, soit en Bitcoin ou en Ethereum, soit sous forme de carte cadeau. Ce qui n'est pas forcément stupide, parce que la carte cadeau, on la revend au Black, on a l'argent, et pour tracer ça, c'est quand même pas facile. Bah, ça doit être facile quand même, parce que j'imagine qu'il y a des numéros sur ces cartes cadeaux. Mais, donc on sait très bien, mais on va dire, cette carte, vous l'avez achetée, je l'ai achetée sur un marché, il y a un type complètement quelconque qui m'a vendu ça. Remonter à la source, c'est pas une si mauvaise idée, on va dire. Alors évidemment, Apple a réagi en disant après une enquête interne, vérification, etc., ni les comptes Apple ID ni les comptes iCloud n'ont été compromis de ce qu'on a vu récemment, c'est-à-dire en direct. En revanche, il est possible que ces comptes soient compromis parce que les utilisateurs de services tiers, au hasard Yahoo, qui a été quand même très très méchamment attaqué et compromis ces derniers mois et ces dernières années, si un utilisateur utilise le même type d'identifiant sur Yahoo et sur iCloud et le même mot de passe, c'est souvent comme ça que d'ailleurs... Il peut y avoir un piratage parce que c'est juste une question d'essayer. On se crée une petite moulinette et puis on essaye les itérations et on voit si ça marche ou si ça marche pas. Voilà. Mais là, dans ce cas-là, le fautif est l'utilisateur. Pour le coup, Apple n'y est pour rien. C'est parce qu'il y a quand même des règles, des consignes, pas utiliser des mots de passe simples, même mot de passe avec les mêmes identifiants qui plus est sur différents services, etc. Voilà. Donc iCloud n'a pas été piraté. iCloud n'a pas été... Si on peut croire Apple, et pour le coup, je pense pas qu'ils auraient intérêt à mentir là-dessus, n'a pas été attaqué et mis à terre. Mais ça reste néanmoins un vrai sujet, le cloud, puisqu'on met tout dans le cloud. Tout à fait. Et c'est la question 01net Orange du jour. Faites-vous confiance à la sécurisation des données sur le cloud, les amis. Voilà les résultats. Écoutez, plutôt oui 45%, plutôt non 55%. C'est assez partagé. Encore une fois, c'est très partagé. Ouais. C'est plutôt partagé, je dirais même. C'est plutôt, oui. Parce c'est que relativement partagé. Hein. Oui. On peut dire ça comme ça. Et si, c'est moyennement partagé, ça marche aussi. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à voter pour peut-être arriver à tirer une tendance de ce vote. Et puis n'utilisez pas le même mot de passe partout. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Non. C'est la morale de l'histoire. Exactement. Merci beaucoup Pierre Fontaine. Mais rien. Merci Pierre. Le défilé des stars de 01net se poursuit dans un instant avec la sublime Delphine Sabatier qui nous rejoint pour son Zoom Actu. A tout de suite.
Et avant de retrouver Delphine Sabatier, dans un instant, direction le labo, avec le P10 Plus que Raphaël Grabli va nous montrer, les amis. Ouais. C'est un P10, mais... Mais plus. Mais plus, quoi, en gros. Mais vous verrez, il est pas mal du tout. Bonsoir Delphine. Ah, vous décrivez super bien. Ouais, ouais, mais c'est toutes ces années d'expérience, ouais. Hein, Delphine. Bonsoir. Bonsoir, salut. Directrice de rédaction de Zéronet. C'est le Zoom Actu, donc. Oui. Et on parle d'un jeu, une appli, hein, Delphine, c'est pas courant, mais il faut dire qu'il y a un rapport direct avec l'actualité. C'est une appli qui permet de faire du mal à nos politiques chéries, c'est ça ? On leur envoyait une petite tarte à la crème, c'est pas trop méchant. Et le respect, mademoiselle ? Alors, c'est une appli qui... C'est un jeu sur mobile qui vient de sortir, qui est sorti sur Android lundi. On attend la version iOS pour la semaine prochaine si tout va bien. Moi, j'ai pu tester sur Android et aussi en version bêta sur iOS, donc je m'en suis fait une idée assez concrète. Alors, le principe, c'est vraiment d'entartrer les élus, les politiques. On est en pleine campagne électorale. Bah oui. Alors, on peut les entartrer, mais on peut aussi leur envoyer des fleurs. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire valoir ses opinions. Comment ça fonctionne ? J'ai toute une liste de personnages politiques, français majoritairement. On trouve aussi, vous verrez, quelques people. Moi, j'ai joué par exemple avec Angelina Jolie. Avec, ah oui, d'accord. Mais elle ne se présente pas à la présidentielle. Bill Clinton, Angelina, non, parce qu'en fait, au départ, le fondateur du jeu voulait le faire plutôt sur les personnalités politiques et toutes les déclarations qu'elles peuvent faire. Et puis finalement, il s'est recentré là plus précisément sur la politique. Mais voilà, ça D'accord. arrive de retrouver un petit people au passage. Donc on peut envoyer en fait des tartes à la crème, des poissons qui puent ou des fleurs quand on les aime bien. Ça démarre en fait sur une citation. Alors au début, on a quand même Jacques Chirac qui nous accueille dans ce jeu vidéo. Bonjour. Et il nous dit « Tu es notre dernier espoir pour sauver la démocratie. » Les politiques n'arrêtent pas de balancer n'importe quoi, des phrases absolument abracadabrantesques. J'adore, François Hollande est sur un flanc. C'est un flambi, évidemment. J'adore, c'est très drôle. Voilà, on a Sarkozy avec un Karcher. Enfin bon, il y a tout un tas de caricatures. En fait, ça a été créé par un développeur de jeu qui fait ça depuis 15 ans, qui s'appelle Maxime, j'ai oublié son nom, Montachéry. Et ouais. Il a fait ça avec 4 caricaturistes. Donc, elles sont plutôt très, très bien réussies. Hein. Les personnages sont vraiment Mais c'est fun, pas vraiment d'actu. Alors, vraiment sympa. Ça a été fait juste avant la primaire de la droite. Donc... Je reprends. Donc Chirac vous accueille, vous dit que vous allez sauver la démocratie et il vous forme une première équipe. Voilà, il vous dit alors vous allez jouer avec telle politique avec vous et il nous présente une première citation. En l'occurrence, c'est François Hollande qui ouvre le bal et qui affirme, ce sont des vraies citations, hein, moi président, je ferai en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire. Et là, ben, alors soit on décide de voter pour cette citation parce qu'on la trouve vraiment super pertinente ou alors vraiment on se dit se fout de ma gueule et on choisit l'autre option. Arrive du coup un second écran et là on est plutôt dans un jeu à la Candy Crush, hein, c'est un puzzle en fait et on doit déplacer les éléments, ces petites sphères pour les aligner. Une fois qu'on en a 3 qui sont alignés, paf, ça s'annule. Quand on a les mêmes couleurs que les joueurs de notre équipe, eh bien, ça permet de donner plus de poids au vote de mon équipe. D'accord. Voilà, tout l'objectif, c'est vraiment de pouvoir valider, comptabiliser au final son vote. Est-ce que j'ai été pour, est-ce que j'ai été contre ? Ça ne sera comptabilisé qu'à la fin de cette partie. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, ce n'est pas juste pour jouer, puisqu'au final, on va voir dans le tableau de résultats, alors on a des cadeaux et tout ça, des scores, mais on va voir surtout le vote des autres. On va voir si son vote a été pris en compte, quel est le vote moyen, est-ce que les gens ont plutôt aimé ou pas aimé cette citation. Donc ah c'est oui, aussi si une dans façon moyenne, d'un peu de si prendre le pouls se situer par rapport sur aux les opinions voilà, des citoyens. Et vraiment, le concepteur, D'accord. quand il m'en parle, il me dit, voilà, moi, j'ai pas voulu faire juste un divertissement, j'ai voulu apporter un petit truc en plus. C'est presque du serious gaming, quoi. Presque. Hein. Ouais. Et il a vraiment voulu surfer sur une vague de contestation. Voilà, il me dit, moi, c'est un jeu citoyen, c'est très important de titiller les gens un peu sur ce que disent les politiques aujourd'hui et de pouvoir exprimer finalement son désaccord. Alors peut-être, c'est pas encore sûr, qu'il envisage de publier les résultats des votes quand ce sera vraiment significatif sur des sujets d'actu forts, oui, de manière anonyme, sur les réseaux j'espère. Sociaux. Tout est anonyme, on n'a même pas de pseudo, on n'a pas à s'enregistrer, les résultats sont totalement encryptés. On a Jolie57 sur Twitter, Delphine, qui nous demande si Fillon a de beaux costumes dans le jeu.
Alors, Fillon, à ce moment-là, il est plutôt avec son casque de pilote automobile. Ah oui, d'accord. Donc c'était avant. C'est pas très méchant. La caricature de Macron est un peu plus étonnante, ouais. C'est-à-dire qu'on le voit avec une liasse de billets, puis une bouteille de champagne. Ouais. Donc, je lui ai fait remarquer quand même qu'il y avait des choix qui étaient un petit peu parfois pas forcément équilibrés. Et il a dit qu'il avait corrigé tout ça. En fait, il attend des retours de la communauté. Donc, n'hésitez pas, postez des commentaires. Voilà. Et il est open. Lui, il veut avoir quelque chose d'équilibré et de citoyen. C'est dispo sur quelle plateforme ? Donc sur Android en ce moment, la semaine prochaine sur iOS. On rappelle le nom. Parfait. Et c'est gratuit, Splash. C'est free to play. Ça s'appelle Splashvote. Splashvote. Et je peux quand même payer un petit peu parce que sinon c'est pas rigolo. Je peux m'acheter des nouveaux personnages, des nouveaux politiques avec qui je vais pouvoir. Oui, c'est du freemium, quoi, comme d'habitude avec ce genre de jeu. Merci Delphine. Merci Delphine Sabatier, qu'on retrouvera évidemment la semaine prochaine. Voilà, 18h25, 01 Live Hebdo. On continue avec notre équipe de choc du Labo 01net. Imaginez, les amis, un stylet qui permet de retranscrire en audio ce que vous lisez. Oh, ça ne peut pas exister. Eh bien oui, François Bedin, Mr. Bedin, here. Il today, a trouvé ça, mais on va en parler dans un instant, les amis. Juste avant, Raphaël Grabli est là. Mr. Grabli. Bonsoir, Raphaël. Raphaël Grabli qui regarde son micro parce qu'il se dit tiens, c'est la première fois que je vois ce modèle-là. Qu'est-ce qu'il est chouette. C'est marrant. Ouais, c'est dingue. C'est fou ce truc-là. Et alors, si tu parles dedans, les gens t'entendent. Ah, ils m'entendent là, mais ils me voient pas par contre. Ah oui, alors. Enfin, un petit peu. Mais... Des fois, ça marche. En plus, on me voit. Quand Jean-David est en forme, oui, on peut te voir. Parfois, ça clignote un peu. D'accord. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Raphaël qui est venu avec le P10 Plus, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça, le P10 Plus ? Alors, c'est un gros P10, en fait. Hein. Voilà. Merci, Raphaël. Alors, au revoir, Raphaël. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment on va terminer cette émission, mais en tout cas, c'est bien parti. Non, mais c'est il y avait voilà, le petit P10, et puis voilà, maintenant, il y a le gros P10. Jean-Sébastien vous avait amené, et là, c'est le gros P10. D'accord. Alors. Alors... Ils sont morts de rire de l'autre côté de la caméra. C'est pas ça a eu le petit P10. Oui, c'est ça. Et puis celui-là, il est brillant. Celui-là, il est brillant, il est magnifique. Alors, non mais les amis, ça va. Il y a un petit peu de sérieux. Bah oui, c'est très sérieux. C'est que de la technologie. C'est très sérieux. Quelle est la différence entre le petit P10 et le gros P10? Alors le gros est plus gros. Il est plus gros. D'accord. Voilà. C'est la seule différence. C'est vraiment une différence de taille, hein, justement. Tu peux faire toute la différence. Et alors la taille, oui. Alors voilà, ça compte. Mais alors surtout au niveau du prix, ce qui est quand même vachement plus cher, moi je trouve. Le petit P10, pour rappel, il est, enfin qu'on va appeler le P10, il est vendu à 599 et celui-là à 750. Donc il est un petit peu plus cher. Par contre, moi honnêtement, c'était un coup de cœur. Voilà, j'ai vraiment adoré cet appareil. Déjà parce qu'il est quand même très joli. Il reprend le design du P10 exactement. Donc avec des formes en métal, je trouve les finitions sont vraiment très très jolies, c'est vraiment bien fini, etc. En gros, ça reprend un petit peu les formes de l'iPhone 7 Plus, hein, le P10 reprenait un peu l'iPhone 7. Et voilà. Et sauf qu'il est un peu plus fin, l'espace autour de l'écran un peu mieux optimisé. Donc il est même voilà, un petit peu plus fin, un peu moins large. Il y a notamment des images que JD peut peut-être nous montrer, peut-être qu'il nous les a déjà montrées, de comparaison entre ce P10 Plus et l'iPhone 7 Plus, oui, qu'on a qui font un peu mal à Tim Cook. Hein, ouais, je pense, on voit qu'effectivement l'iPhone 7 Plus, il est assez costaud quand même à côté. God, c'est pas bon ça. Au niveau de l'encombrement. Non mais après, il a 6 mois de plus. Voilà, il a 6 mois de plus. Alors même pas parce qu'il sort mi-avril, celui-là, il sort pas tout de suite. Ah oui. Donc si on compare avec le prochain iPhone, à mon avis, voilà, le prochain iPhone sera quand même peut-être mieux optimisé. En gros, on a un écran plus grand. Alors c'est le même écran. On a un écran 5,5 pouces. Équivalent dans un plus petit. Exactement, mais vraiment je crois que c'est 15% plus petit, donc ça vraiment on sent la différence, donc c'est assez intéressant. Et voilà. Après d'ailleurs, autre point commun avec l'iPhone, c'est un écran LCD. On s'attendait à de la AMOLED parce que tout le monde fait de la AMOLED maintenant, et Huawei comme Apple fait du LCD et fait du très bon LCD. En fait il est hyper lumineux, hyper contrasté, c'est du quad HD, donc vraiment au niveau de l'affichage c'est juste magnifique. Je crois que c'est quasi parfait au niveau de l'affichage. Et au niveau photo, alors ? Alors au niveau photo, comme le P9, comme le Mate 9, etc., il a deux capteurs, un monochrome et un couleur. Comme d'habitude, le capteur monochrome est juste exceptionnel. Franchement, il fait des photos en noir et blanc. C'est magnifique. Après, au niveau de la couleur, je trouve que les images sont peut-être un peu trop saturées.
Par rapport à ce qu'on... Voilà, les couleurs sont peut-être moins fidèles. Un mannequin est venu dans les studios. On a fait venir un mannequin, net, effectivement, pour, spécialement pour d'accord. les photos. Ça, et alors ça, c'est le fameux mode portrait. Alors voilà, c'est un poney blanc dans Paris. J'ai croisé un poney, je l'ai pris en photo, forcément. Mais pourquoi pas. Mais la photo est juste, voilà, c'est au niveau du piqué, etc. C'est quand même assez incroyable. Ouais. Comme j'ai la couleur, les photos couleurs peut-être un peu trop saturées à mon goût, peut-être moins réaliste que celle de l'iPhone. C'est vrai justement. Qu'il y a beaucoup de poneys en ce moment. Il y a plein de poneys dans Paris, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si... Et il y a un mode aussi portrait, justement, pour concurrencer l'iPhone 7 Plus. Donc avec cet effet bokeh derrière, qu'on voit à l'image. Alors la différence avec l'iPhone 7 Plus, c'est que là, c'est un grand angle, comme n'importe quel smartphone, alors que l'iPhone 7 Plus, le second capteur, donc là on voit la comparaison justement avec Jean-Sébastien, on voit que l'iPhone 7 Plus, qui a un téléobjectif, déforme moins les visages par rapport à la photo de gauche qu'on voit, où quand même on a cet effet un peu grand angle qui peut... Parce qu'on voit pas toutes les informations, hein. Sur la gauche de votre écran, vous avez un cliché du P10 voilà. Plus, et à droite, l'iPhone 7 Plus. Exactement. Il n'y a pas photo, mais c'est vraiment à droite c'est meilleur. À droite c'est un peu meilleur forcément parce que c'est pas le même type de capteur photo, c'est pas la même optique, etc. Et que là c'est à gauche c'est du grand angle, donc le grand angle pour le portrait c'est quand même pas l'idéal. Et après on voyait aussi les images un petit peu trop saturées. Par contre moi j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est alors pareil pour le P10 c'était déjà présent, c'est le bouton principal intelligent en fait qu'on peut utiliser qu'on peut paramétrer. Au d'accord. lieu d'avoir les boutons retour multitâche, le fameux triptyque en fait qui est propre à Android, Huawei fait un truc très intelligent qu'on avait déjà vu chez Meizu notamment, qui permet en fait simplement d'utiliser le bouton principal et en effleurant, donc si on appuie longtemps sur le bouton principal, enfin longtemps, je sais pas, une seconde et demie, ça fait office de bouton retour vers l'écran d'accueil, et sinon c'est juste la fonction retour traditionnelle d'Android, donc ça c'est hyper pratique je trouve. Voilà, je trouve c'est ergonomiquement c'est vraiment intéressant. Moi j'ai pris le réflexe, après j'ai pris un autre smartphone, j'ai eu même le réflexe de d'effleurer le bouton retour pour bouton principal pour revenir. Ce serait pas mal que ça arrive sur les iPhones, ça. Par exemple sur l'iPhone, ce serait bien, l'idéal. Parce que ça serait que du logiciel. Moi qui j'aime beaucoup l'ergonomie de l'iPhone, je trouve que c'est assez exceptionnel, mais qui suis aussi amateur d'Android, c'est vrai que c'est vraiment ce qui manque à l'iPhone pour être parfait, je trouve, c'est un bouton retour. Et ça, ce serait vraiment intéressant. Après, l'autre défaut, il y a une petite tendance aussi à chauffer de temps en temps. Mais après, ça c'était une version préliminaire entre guillemets, puisqu'il va y sortir dans un petit moment. Voilà. Et le prix, 749 €. Donc c'est pour qualité prix par alors, rapport bon à la rapport taille de qualité prix. Si on veut vraiment un écran 5,5 pouces, un super smartphone qui vaut son prix. Par contre, si on n'est pas tellement attaché qu'on aime bien les formats compacts, le P10 qui est quasiment le même, il coûte 600 €. Bien sûr. Donc le P10 c'est aussi vaut vraiment le coup. Ouais, il vaut vraiment le coup. Parfait. Merci beaucoup Raphaël. Merci Raphaël Grably. Alors, on va donc découvrir ce stylo dont tu parlais il y a un instant, François. Mais oui. Stylo qui n'en est pas. François. Poche magique. Vous avez remarqué qu'il adore ça. Ah mais ça. C'est un thermomètre. Il sort souvent ses petits produits de la poche. Alors où est-ce qu'on va montrer ça? Alors attendez. Voilà. Quelle caméra les amis? Alors ça s'appelle l'Exam Reader. C'est fabriqué par CPEN. Un peu un thermomètre. Et c'est ça, distribué par une marque qui s'appelle MySoft. Ça conjugue deux technologies que je trouve vraiment intéressantes. La reconnaissance optique de caractère d'une part et la synthèse vocale d'autre part. Et ça permet d'aider les gens qui ont du mal à lire du texte. Le cas de figure extrême étant les dyslexiques, à lire du texte lors d'examen. Ça a été conçu vraiment pour ça, c'est pour ça que ça s'appelle Exam Reader. D'accord, et on peut faire une démo ou c'est compliqué? Alors je peux, que je l'ai configuré en gaucher, on peut le configurer en gaucher, en droitier, donc ça donc, dépend. Alors, on va bien montrer comment ça fonctionne. Si Pierre peut nous faire un plan avec JD sur la démo qu'on va vous faire en direct. On va mettre le micro alors. François. Ouais. François a imprimé une feuille avec du texte, d'accord, tout simple, hein, et il a fixé donc ce stylo sur la feuille, et ça va, en théorie, le système va lire ce qu'il y a écrit. Ce boîtier en forme de soucoupe offre une fonction de sauvegarde et de... Ah oui, ça marche super bien. Ouais. Hein, Jérôme? Je sais pas, j'ai pas tout compris. Alors moi, vous pouvez m'en livrer... Le confort smartphone de Toshiba est un disque dur portable un peu atypique pour se connecter. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Moi, je l'ai essayé. Ah ouais, franchement, je trouve impressionnant de réactivité. Ça marche, c'est-à-dire que... Alors après, c'est vraiment réactif, la voix est vraiment bonne. En plus, par exemple, pour la voix, on peut choisir entre 5 langues. D'accord. Et en anglais, on peut choisir entre l'anglais et l'américain au niveau de l'accent. Pas. C'est vrai que l'anglais américain, ça n'a rien à voir. Après, il ne faut pas lui demander ce qu'il ne peut pas faire, c'est-à-dire qu'il est pas capable de reconnaître de l'écriture manuscrite,
Il n'est pas capable de reconnaître, par exemple, quand c'est souligné ou quand les caractères... Ouais. Mais pour vraiment du texte classique, par exemple, pour les imprimés, par exemple, il y a... Mmh. Et moi, le seul bémol que je lui trouve, c'est qu'en fait, il ne travaille que ligne par ligne. C'est-à-dire, on scanne la ligne, on soulève le stylo, à ce moment-là, ça dit la ligne, on passe à la ligne suivante. Ah ouais, le problème, c'est qu'un texte, un peu laborieux, ça. Un texte ne t'arrête pas au bout de la ligne. Ah ouais. Donc moi, ce que j'aurais aimé, en fait, c'est qu'on puisse scanner et après seulement déclencher la lecture. Voilà. Voilà. Est-ce que ça peut lire sur un écran? Non, c'est vraiment pour du texte. Pense vraiment à des formulaires d'examen dans les écoles. D'accord. A priori, c'est pas mal utilisé. Je ne sais pas si c'est en Angleterre ou aux États-Unis, mais voilà, il y a des formulaires spécifiques et c'est vraiment fait pour ça. En France, ce qui est bête, c'est qu'il faut demander carrément une option pour l'utiliser. Ça, je trouve ça vraiment bête parce que c'est vraiment c'est un appareil justement qui a de mémoire. On ne peut pas le brancher, par exemple, sur un ordinateur pour changer du texte qui permettrait de mettre des pompes et pour tricher. Plus il est dédié aux examens. D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'on peut brancher dessus des écouteurs qui sont fournis. Donc au moins, on peut ne pas déranger les gens. Pas mal. Alors, dernier point important, c'est le prix, parce qu'il coûte quand même 348 euros. Vraiment, je trouve dommage que ça soit aussi cher, parce que c'est vraiment un produit que je trouve pratique pour les gens qui en ont besoin. Et voilà, il faut vraiment débourser une somme importante. Néanmoins, pour, je ne sais pas, des parents, enfants, par exemple, dyslexiques, ça peut être vraiment très, très utile sur le long terme. Donc, c'est vraiment un outil qui a le mérite d'exister. C'est clair. En revanche, bon, il ne faut pas se tromper, hein, et le ranger dans la pharmacie, là, ça peut être dangereux. Si je puis me permettre, parce que j'ai vu c'est un peu dangereux. Merci beaucoup François Baudin. Cette chute. Merci. C'était la chute qu'il fallait retenir, bien sûr. Bon, vous avez eu raison de rester jusqu'à présent et ne partez pas. Parce que maintenant, tiens, si on faisait un petit tour du côté de la question orange, c'est une, très bonne idée, Jérôme, comme toujours. Juste avant la petite surprise de fin. Ouais. La question Zeronet Orange concerne la sécurité des clouds. À propos de cette histoire dont on vous parlait tout à l'heure, là, concernant Faites-vous Apple. Faites-vous confiance à la sécurisation des données sur le cloud ? Plutôt oui, 44%, plutôt non. Voilà, c'est assez partagé, même s'il y a une petite tendance vers la méfiance quand même. Même ouais, mais cloud. Alors, je vais dire une évidence, mais il y a aussi finalement beaucoup de confiance. Non mais c'est sérieusement. Jérôme, tu pourrais commenter les sondages des hommes politiques actuellement. Je pense qu'on pourrait avoir quand même de sacrés enseignements. Absolument. Allez, pour terminer, une petite note de gaieté quand même. Pour tous ceux qui voyagent, comme Raphaël Grabli, qui est souvent dans les avions, Raphaël, on a trouvé, sans doute, ton compagnon de voyage préféré. C'est le bagage. Hyper high-tech, et en plus pour les fans de Mario Kart. Exactement. Alors regardez ça. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez à quoi ça ressemble, les amis. C'est un bagage, en fait, carriole. On peut dire ça comme ça, hein, Jérôme? Oui, disons que c'est une valise trottinette, moi je dirais plutôt. Voilà, donc là, jusque-là, tu vois, tu voilà, et puis là, d'un coup, t'as envie de t'amuser un petit peu. Allez, c'est parti. Et voilà. Hop là. Alors, c'est vrai que ça n'a l'air de rien, mais il y a certains grands... internationaux qui sont vraiment immense. Très très grands, et on marche et si on est pressé pour prendre, si on est un peu en retard, ça peut quand même rendre service. Le problème, c'est qu'on a l'air complètement idiot. Alors attends, t'as vu, en plus ça rentre vraiment, c'est exactement, un bagage cabine, hein. C'est au format bagage cabine, ouais, tout formidable. À fait. Alors ça peut supporter un passager de 100 kilos. Ah Jérôme, donc il n'y a pas de souci. Voilà, prendre sans problème. Prendre, hein. Ça suffit, je te remercie. Non, mais c'était pour rigoler. Ça roule à la vitesse de 8 à 12 km/h. On recharge la batterie en 2 heures. Et d'ailleurs, vous avez vu peut-être que c'est une valise qui elle-même a un chargeur pour charger votre iPad, votre smartphone, votre ordi, etc. De transporter vos affaires, ce qui est quand même le but du jeu. Et ça coûte, ça vient de sortir, ça coûte la bagatelle d'un millier d'euros. Alors, on ne l'a pas encore testé, mais j'espère que, par exemple, David Noguera, qui est spécialiste des valises qui roulent, pour l'essayer prochainement. Tester tout ça, bien sûr. Voilà, c'est sur ce petit gadget bien sympathique que se termine ce Zéro à la V2. Merci d'avoir été avec nous, comme chaque jeudi soir sur Zéro1Net TV. Merci à Jean-David Duarte, merci à Noémie Lefebvre, Pierre Thiolin et Thomas Remy, qui ont préparé et assuré la réalisation. Zéro à Live Hebdo. Et on se retrouve bien sûr très très vite sur Zéro1Net TV, vous le savez. Toute l'actualité high-tech sur Zéro1Net TV. Si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à vous et à notre page pour être au courant de toutes les dernières vidéos. A très vite et bonne soirée. Salut à tous.